Ah, mon Dieu, c'est un bon curé, la flamme. Ben, c'est un homme de prestance. C'est un homme qui savait où il allait. C'est un homme qui, c'était pas sa première cure. Il tenait à ce que l'Église, que le culte, le lieu de culte soit accueillant, soit beau, soit. Et là, il faut se souvenir qu'il y avait, bon, les stalles, mais il n'y avait pas de décoration sur les murs, il y avait rien. Alors donc, le curé Laflamme, lui, s'est dit, il faut qu'on décore ça, ces murs-là. Il devrait avoir moyen. Et après, il est arrivé ici, dans Saint-Hilaire, il a rencontré un jeune peintre qui s'appelait Ozias le Duc. Commencé à en parler d'Ozias le Duc avec lui un petit peu, en disant qu'il y avait des espérances, il voulait décorer l'église. Alors, évidemment, au niveau de la fabrique, c'était pas prioritaire, la décoration de l'église. C'était pas ça qui était important. C'était puis le curé Laflamme était pas fou. Il dit, je vous jure, je vous garantis que on va tout faire ça, puis que l'église, la fabrique, n'investira pas aucun sou. Ben là, les marguilliers, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent contre ça? C'est que monsieur le curé est convaincu de son affaire, mais qu'il ramasse son argent, puis après ça, on verra, qu'il a décoré son église. Alors, comme de fait, le curé Laflamme a commencé à organiser toutes sortes de choses, des quêtes, des bingos, des pièces de théâtre, des soirées. Il a organisé toutes sortes d'activités, puis l'argent rentrait. Il a sollicité les paroissiens, sollicité les citoyens. De la place. Puis il a fait appel, en tout cas, il avait l'air d'avoir un réseau assez intéressant parce que l'argent semblait rentrer. On dit du curé Laflamme que il était difficile à suivre dans ses finances, qu'on ne sait pas trop comment est-ce qu'il faisait ça, mais il réussissait. Alors, ce qui était important, c'est qu'il réussisse. Donc, il a effectivement, grâce au curé Laflamme, bien là, il y a eu Ozias le Duc, qui a été engagé pour décorer l'église. Et l'équipe, parce que Ozias le Duc était quand même plusieurs, il y a eu une équipe. Et ils ont travaillé à décorer l'église, ce qui fait que on possède aujourd'hui 850 pieds de toile marouflée. C'est toujours un grand plaisir pour moi de parler d'Ozias le Duc et d'espérer le faire connaître à plusieurs personnes, parce que ça a été un homme de grande valeur qui n'a pas été reconnue, je pense, assez. Étant dans l'église de Saint-Hilaire, bien entendu, je vais vous parler de cette œuvre magnifique qu'il nous a laissée à la fin du 19e siècle, alors que le curé Laflamme, nouvellement arrivé dans la paroisse, lui demandait de décorer cette église qui était toute nue, toute blanche, toute froide. Et le duc, à ce moment-là, qui avait 30 ans, c'était vraiment le début de sa carrière de peintre. C'était son premier gros contrat où il allait être le maître d'œuvre. Et pour réaliser cette demande, il s'est entouré de 12 personnes de Saint-Hilaire, artisans, son frère Ulrich, son frère Honorius, des artisans, des artistes de la place. Et je suis sûre qu'il l'a fait avec beaucoup de doutes. C'était un homme qui doutait de lui-même, il n'était jamais sûr de lui, mais comment il réalisait les choses. C'était, par la force des choses, un perfectionniste. Terminé en l'an 1900, voici ce qu'il nous a offert après un voyage à Paris. Il est revenu, il nous a offert 15 magnifiques tableaux. La naissance du Christ dans le cœur. L'ascension du Christ. Grand tableau dans le cœur. Face aux fidèles,
Saint-Hilaire, le patron de notre paroisse. L'Assomption de la Vierge. Sur les murs latéraux et à l'arrière, les sept sacrements de l'Église. Et sous les jubés, les personnages assis, parce qu'il avait été restreint avec l'espace du jubé, les quatre évangélistes. Ces tableaux remplis de symboles, et il a aussi, naturellement, chaque trait de peinture que vous voyez dans cette église, les couronnes au plafond, les boucles d'amour, les symboles à l'intérieur de ces couronnes, les feuilles de laurier, les feuilles... Tout ce travail a été exécuté par le duc, avec l'aide, bien entendu, d'une douzaine de personnes, artisans et artistes du village. Sous les tableaux, il est à remarquer ce travail de mosaïque. On croirait que c'est de la mosaïque. Tout ce travail a été fait au pochoir, avec grande minutie. Ces tableaux sont d'une délicatesse, d'une tendresse, je dirais. Le fond des tableaux, des couleurs pâles, des couleurs douces. Les couleurs des personnages, qui n'est pas brillante, ces couleurs n'est pas brillantes. C'est une couleur qui radie plutôt, radiante. Les personnages sont assis ensemble, ils forment une intimité. Dans ces tableaux, le duc a introduit des éléments, des symboles bien particuliers, représentant, inspirés surtout par le milieu où il vivait et par les gens avec qui il vivait et qu'il aimait beaucoup. Un sous-bois, une feuille d'érable, un aspect de la montagne, la rivière Richelieu, une chaise canadienne. Tous ces éléments ont été pensés sûrement afin d'insérer dans la vie quotidienne le sacré de son œuvre. Le tableau de la Vierge, dans ce tableau, on retrouve les éléments de tendresse. On retrouve la photo, c'est-à-dire la figure de sa sœur Osema, qui représente la figure de la Vierge.
Et dans le coin à gauche des deux femmes se trouve le profil de sa cousine, Marie-Louise Lebrun, qui deviendra son épouse quelques années plus tard. Son autoportrait, on retrouve son autoportrait dans le tableau de la confirmation à l'arrière, personnage avec barbe brune. Le duc a été partie prenante de toute cette œuvre. Il est le concepteur particulier, le maître d'œuvre. Le symbolisme est très présent. Il a été très, très impressionné par le symbolisme dans sa visite en France. Et le symbolisme dans cette œuvre est très présent. Et dans ses tableaux, et dans les fenêtres qu'il a peintes un peu plus tard. Il y a les symboles de l'Eucharistie dans chacun des tableaux. Ces fenêtres, ce ne sont pas des vitraux, elles sont peintes. Il n'y a que deux vitraux dans les églises. Hein. Nous les avons à l'arrière ici, en arrière de moi, chaque côté du chœur. Ces tableaux dessinés sont les dessins de le duc et ils sont réalisés à Montréal chez un ami Pellus. Le chemin de croix aussi a été dessiné par le duc. C'est plutôt, je dirais pas une copie, mais seulement ça a été emprunté à l'art italien. L'ensemble de cette œuvre est marqué par un grand souci de l'harmonie. Si on regarde un peu les symboles, à l'arrière, on retrouve à l'intérieur de ces couronnes le symbole musical près de l'orgue, les symboles liturgiques au centre et le symbole de la parole quand on s'approche du chœur où la parole est donnée. Tout est pensé, tout est harmonieux, une grande harmonie. L'orgue qu'on a actuellement dans l'église de Saint-Hilaire a été installé en 1882. C'est un orgue, le troisième orgue des Casavants de Saint-Hyacinthe. Cet orgue-là avait été construit en 1856 et il avait été installé dans le séminaire, le grand séminaire de Saint-Hyacinthe. Alors, écoutez, l'instrument de la paroisse du Mont-Saint-Hilaire, c'est un instrument vraiment typique de l'époque romantique, par sa facture et puis par sa sonorisation, son esthétique sonore, en fait, qui est extraordinaire. L'instrument provient tout vraisemblablement du séminaire de Saint-Hyacinthe, qui daterait à ce moment-là de 1856, qui était fabriqué par Joseph Casavant. L'instrument à cette époque-là comptait 10 jeux.
de 56 notes sur un clavier, et puis avec un pédalico de 14 notes. Aux alentours de 1880, l'abbé Boivin fait une demande chez Casavant-Frères pour l'acquisition d'un instrument. En 1882, ils font l'acquisition de l'instrument du séminaire de Saint-Hyacinthe. À ce moment-là, l'instrument sera réinstallé ici. Le nombre de jeux passera de 10 à 16 jeux. Sur deux claviers maintenant, de 56 notes toujours, et du pédalier qui sera à ce moment-là de 30 notes. L'instrument, lors de son installation, sera d'une transmission pneumatique, tubulaire, contrairement à l'orgue mécanique qu'il était auparavant. Lors de 1882, comptait 16 jeux. En 1928, l'instrument est agrandi pour contenir 22 jeux à ce moment-là, répartis toujours sur deux claviers et pédaliers. En 1928, on comprend que l'instrument, le clavier est rendu à 61 notes, le pédalier à 32 notes, qui fait tout de même un grand instrument d'esprit romantique. Et puis, la tuyauterie qui était utilisée en 1928, possiblement, est la même que de 1882. Je serais cependant bien embêté de vous signifier s'il date de la tuyauterie de 1856, par contre. Le buffet à cette époque-là est séparé en deux parties. Une partie récit et pédale qui est située à la droite du jubé et à la gauche, on voit la partie grand orgue. La console sera située à ce moment-là au centre. En 1928, on va garder la même esthétique encore une fois. Ce ne sera qu'en 1956, à ce moment-là, qu'il va y avoir un grand nettoyage de l'instrument, quelques réglages d'occasion qu'on doit faire, et puis un accord général. Et par la même occasion, on réunifie ces deux sections-là ensemble, telles que le buffet, nous le connaissons de nos jours. En fait, l'orgue est réparti en plusieurs familles de tuyaux, que je vais dire. Et puis, vous avez les tuyaux de bois. De métal. Puis dans le tuyau de métal, vous avez différents alliages de métal. Alors, ensemble, vous avez plomb et étain, mais d'un mélange différent. Vous pouvez avoir 50% de plomb, 50% d'étain, ou moins, 20% d'étain, 80% de plomb, dépendamment du thème qu'on désire rechercher. Et puis, les tuyaux sont une paroi excessivement mince. Alors, le buffet sert entre autres au niveau de l'esthétique, évidemment, de se fondre à même l'architecture de l'église, mais sert par la même occasion de protection à la tuyauterie pour empêcher les paroissiens ou les personnes qui ont accès au jubé d'aller toucher à l'orgue, toucher à la tuyauterie. D'un côté, on risque d'abîmer la tuyauterie en l'écrasant par sa fragilité, et puis d'autre côté aussi au niveau de l'accord de l'instrument. Un accord est très fragile, on peut comprendre que dans les températures, aussitôt qu'il y a des températures qui vont changer, l'instrument devient faux. Alors, si j'accorde mon instrument cet hiver à 65 degrés Celsius, alors cet été, lorsqu'il fera 75, 80, 82, l'instrument sera faux, ou en partie. Je ne dis pas qu'il ne sera pas utilisable, mais pour des oreilles averties, on va comprendre, il y a peut-être un travail à ce moment-là à faire au niveau de l'accord de l'instrument. De qu'est-ce qui reste de l'instrument de 1856, je vous dirais qu'il reste à peu près peu de choses. Peut-être quelques tuyauteries de 1886. Le buffet. Évidemment, ce n'est pas le buffet d'origine. Le buffet a été modifié en 1956. Cependant, les pièces qui ont été utilisées, ce sont les mêmes. On peut comprendre que c'est cet aspect-là que l'instrument devait avoir, hormis le fait qu'il soit jumelé maintenant. Thank you.
En 1882, lorsque l'instrument était installé ici au Mont-Saint-Hilaire, de la traction mécanique à une traction tubulaire, il a fallu installer une nouvelle console pour s'adapter à la nouvelle méthode de transmission à ce moment-là. De là que les claviers sont... Il y avait deux claviers, d'un clavier à deux claviers de 56 notes et un pédalier, évidemment, de court. Maintenant, il passait à un clavier de 30 notes. De 1856, il ne reste que peu de choses maintenant. Le buffet est disparu, un nouveau buffet qui est installé en 1882. Au niveau de la tuyauterie, au niveau des devis, c'est-à-dire, on constate que de 1856 à 1882, il y a un devis évidemment qui a changé de 10 jeux à 16 jeux. Il y a des comparables, la tuyauterie qui est pas seulement qui a été réutilisée pour l'ordre de 1882. Et de 1882 à 1928, encore une fois, l'instrument était agrandi. Il y a eu des modifications à l'interne, au niveau de la tuyauterie, une modification au niveau du devis, évidemment. On peut penser qu'il y a beaucoup de tuyauteries de 1882 qui existent en 1929 jusqu'à aujourd'hui, encore une fois. Cependant, il y a de nouvelles tuyauteries qui étaient rajoutées en 1929. De là à dire qu'il existe la tuyauterie de 1856, ça serait embêtant. Le buffet, évidemment, lui, il date de 1882. En fait, de 1884, je devrais dire. Et puis, en 1989, le facteur Carl Wilhelm, le facteur d'or, a installé une nouvelle soufflerie silencieuse à l'intérieur de l'instrument. Il faut comprendre qu'auparavant, la soufflerie est installée au sous-sol de l'église. En fait, en des températures et l'humidité différentes, on peut comprendre que ça avait quand même un certain impact sur l'accord de l'instrument et puis sur l'ensemble des réglages. Et puis, en 2006, les ateliers Guilbeault Bellavance-Kernian ont fait un relevage complet de l'instrument qui consiste au recuirage, au nettoyage, à l'égalisation de l'instrument. Ici, l'égalisation, au niveau de l'aspect sonore de l'instrument, on a gardé ça, nous avons gardé l'instrument tel quel. On peut juger qu'il l'était en 1928. En fait, tout ça dans le but de garder la même esthétique sonore. Au niveau du patrimoine, savoir qu'à cette époque-là, c'était comme ça que les instruments devaient sonner. On comprend qu'il y a eu des modifications au fil des années qui ne sont pas toujours inscrites dans les registres paroissiales, en fait, du presbytère. Cependant, il est à peu près certain qu'un instrument devait sonner semblable à ce qu'on peut entendre aujourd'hui, à quelque chose près. C'est sûr que c'est un orgue patrimonial. C'est le seul orgue de cet âge-là qui fonctionne encore. Ceux qui touchent l'orgue nous assurent qu'elle a une sonorité vraiment exceptionnelle. C'est un objet qui sert au culte, mais il reste que c'est une valeur patrimoniale qui appartient à l'ensemble de la collectivité. Et on pense que aussi bien l'Église que ces choses-là doivent être assumées par l'ensemble et non pas que par les paroissiens, le 10 % de la population qui pratique. Ça regarde tout le monde.
Pour terminer, j'aimerais bien souligner cette phrase qui est écrite d'ailleurs à l'extérieur de l'Église. L'art est le son de l'âme et d'un cœur aussi. C'est une parole qu'Ozias Duc a dite lors d'une conférence à la Société d'histoire de Saint-Hyacinthe. Et je pense que dans cette œuvre qui nous entoure, dans cette œuvre de Saint-Hilaire, si on se donne la peine d'écouter et d'entendre le Duc, on retrouvera le son de son âme et de son cœur.